également le représentant du député fédéral Rimouski-Neigette-les-Basques, M. Maxime Blanchette-Vizina, mais remplacé par Blanchette-Jonca. Ah, oh, je le savais. Pierre-Luc Leclerc. Merci, Pierre-Luc. Désolé. Hey, ça m'arrive tout le temps. Alors, maintenant, le maire de Rimouski, M. Guy Caron. Représentant du cégep de Rimouski, M. Charles Doyle-Poirier. De Desjardins, Mme Sylvie Renaud. De Télus, M. Christian Tremblay. Du journal Le Soir, Olivier Langlois, Louise Ringuet et Martin Ayotte. Non. Olivier Gimblin. C'est Olivier. Olivier. Olivier Thériault! Désolé, Olivier. De location BSL, M. Alexandre Mazier. De la Sopère, M. Jean Létourneau. De Tanguay, Stéphane Proux. De Budweiser, Labatt, Christian Proux. De Radio Énergie, Patrick Lavoie. C'est le bon moment pour avoir des blancs de mémoire. Alors, de la coop du cégep de Rimouski, M. Régent Dubé. M. Régent Simard. De la brasserie La Cage, Patrick Dionne. De sécurité BSL, M. Daniel Audet. Et maintenant, les membres du conseil... non! De Physiothérapie Mouvement Plus, Mme Marie-Claude Fournier. Et maintenant, les membres du conseil d'administration qui sont présents, M. Charles Desrosiers. Mme Catherine Gélina. Et notre président, M. David Castonguay. Alors voilà, ce sont vos membres du conseil d'administration, les partenaires, sans qui tout ça n'aurait pas lieu ici à Rimouski. Merci beaucoup. Cette saison, les pionniers font équipe avec la clinique Mouvement Plus, Physiothérapie Mouvement Plus. Et aujourd'hui, les joueurs sont sous la vigilance de Mme Marie-Claude Fournier, physiothérapeute du sport, ainsi que Catherine Gagnon, technologue en physiothérapie. Nos médecins, Dr Tina-Louise Gendron, orthopédiste, et Dr Laurie Martin, tous les deux médecins du sport.
Maintenant, du côté du personnel d'entraîneur 2023, le coordonnateur défensif, Jacob Not Brown. L'entraîneur de la ligne offensive, Antoine Marin. L'entraîneur de la ligne offensive, Guillaume Pelletier. Entraîneur des quarts arrière, David Brideau. Entraîneur des porteurs de ballon, Jean-Nicolas Bénan. L'entraîneur des alliés offensifs, le coordonnateur des unités spéciales, Jean-François Hudon. L'entraîneur des receveurs, Luc Saint-Laurent. L'entraîneur des joueurs de la ligne défensive, Jean-François Rioux. L'entraîneur des demi-défensifs et adjoints à la défensive, Jean-Michel Coderre-Proux. Le kinésiologue, préparatrice physique haute performance, Mérédith Pinault. Et le responsable du vestiaire et de l'équipement, Sébastien Lavoie. Et cette année, il y a du nouveau monde dans l'organisation, le coordonnateur offensif et l'entraîneur en chef, Maxime Lépiné. Nous souhaitons la bienvenue d'ailleurs à l'équipe des Gaillards de Jonquière qui sont déjà sur la ligne de 40. Alors maintenant, dans un tonnerre d'applaudissements, accueillons chaleureusement l'édition 2023 de nos pionniers du cégep de Rimouski! Et cette année, parmi l'équipe, le numéro 1, Mathis Lavoie! Le numéro 2, Brandon Taylor. Le numéro 3, Flavio Di Massi. Le numéro 4, Ghislain Nyongabo. Le numéro 8, Jean-Baptiste Gay. Le numéro 9, Arthur Sizak. Le numéro 10, Émile Beaupré. Le numéro 11, Simon Doucette. Le numéro 12, Olivier Mire. Le numéro 13, Samuel Rafiki. Le numéro 14, Mathéo Trey. Le numéro 16, Simon-Olivier Prudhomme. Le numéro 17, Rémi Nadeau. Le numéro 18, le receveur, Paul Raoult. Le numéro 19, le carrière, William Dombassi. Le numéro 20, Zach Drapeau. Le numéro 23, Maxime Gosselin. Le numéro 25, Gilbert Gay. Le numéro 26, Édouard Gourdeau. Le numéro 29, Philippe Dufour. Le secondaire, le numéro 43, Alexis Aymond. Le numéro 45, Gabin Chardon. Le numéro 50, Dolan Kennedy. Le numéro 52, Charles Di Grande. Le numéro 53, de retour, Noah Jamin. Le numéro 54, Nathan Boudreau. Également, Noah Bourassa. Le numéro 55, Tristan Zurdeau. Le numéro 58, Eladji Diaye. Le 59, Anthony Michaud. Le numéro 61, Gaël Benoît. Le 66, Terry Huntil. Le numéro 67, Raymond Mbako. Le 80, Xavier Mainville. Le numéro 81,
Brian Alexis Fierro Viveros. Le numéro 83, Antoine Barbier. Le numéro 87, Étienne Gauthier. Le numéro 91, Danovic Duquette. Le 92, André-Philippe Dubé. Le 94, François Lebris. Et il s'ajoute également le numéro 22, Brian Moreau. Ceci est votre édition 2023 de vos pionniers. Alors, comme maintenant les deux équipes sont déjà bien placées, je vous prierai de vous lever pour l'interprétation de l'hymne national qui sera interprétée par M. Rodrigue Jonca, conseiller municipal ici à la ville de Rimouski. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est saint de fleurs en glorieux. Car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. Et ta valeur de foi trempée protégera nos foyers et nos droits. Protégera nos foyers et nos droits. Et juste avant d'amorcer cette nouvelle saison locale de nos pionniers, j'inviterai maintenant les capitaines des deux équipes à se rendre au centre du terrain ainsi qu'au directeur de l'ABAT. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à mon nouveau collègue et descripteur maintenant du football de nos pionniers, Étienne Gauvin. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je serai vos yeux et vos oreilles tout au long de la saison à domicile des pionniers cette année. Donc, je vous souhaite la bienvenue et bon début de match à tous. Yeah.
Les pionniers vont recevoir le ballon en ce début de match. Alors, on vous rappelle que cette saison, deux parties seront en soirée, deux parties en après-midi ici pour tous les détails. On vous invite bien sûr à aller sur le site pionnierfootball.com. Philippe Dufour qui a reçu ce premier botté du match. Il a réussi à remaîtriser le ballon et les pionniers vont s'installer à l'attaque. Alors échappé, heureusement récupéré. Sur ce, mesdames, messieurs, les pionniers du cégep de Rimouski et Alimentation Coop Rimouski GA Extra ainsi que Budweiser vous souhaitent un bon match! Mathis Lavoie qui a réussi à gruger quelques verges et les pionniers vont s'installer pour le deuxième essai. On vous rappelle que la Budweiser est disponible à seulement 4$ actuellement avec nos étudiants. Également, merci de bien ramasser les canettes et les becs dans les bacs de recyclage. Mathis Lavoie qui a conservé le ballon à nouveau et qui a réussi à éviter quelques plaqués, mais malheureusement, peu de gains sur le jeu. Oh, mouchoir! Alors, c'est... On a bougé trop rapidement du côté de Jonquière. On avance de 5 verges et on recommence. La pression était forte sur le corps arrière, Lavoie qui a réussi à se débarrasser du ballon et à éviter le sac du corps. Il y a Francis qui se promène actuellement avec ses billets de 50-50. Un billet pour 2, 3 pour 5 ou 10 pour 10. Le tirage du moitié-moitié se fera lors du début du quatrième quart. Et encore une fois, avec une bonne foule ce soir, on peut avoir une somme très surprenante. La passe est complétée, les pionniers vont chercher leur premier jeu pour ce soir. La voix qui a tenté de courir à sa gauche, malheureusement une perte sur le jeu pour les pionniers. Alors, il est attendu de pied ferme avec 4 joueurs des Gaillards qui se sont précipités sur le numéro 1, Mathis Lavoie. À nouveau la voie par la course. Malheureusement, la défensive de Jonquière a été rapide. On vous rappelle que vous êtes en mesure de télécharger, bien sûr, l'alignement de la rencontre juste ici, ci-dessous, avec les codes-barres qui sont sur les pylônes, là.
dans les estrades, sous les estrades. On a tenté une passe malheureusement incomplète. Encore une fois, grâce à nos nombreux partenaires, cette saison est rendue possible grâce à Armoire Distinction, Miralis, Budweiser, Tanguay, TELUS, la financière Banque Nationale Desjardins, Cobsco du Cégep, IGA Extra, Voisin Rimouski Shell et Carrossier Procolor. Les pionniers ont tenté de convertir sur un quatrième essai. Malheureusement, la passe est incomplète et c'est Jonquière qui récupère la possession du ballon. Quand même un beau potentiel. C'était très long, malheureusement. Une petite coche trop loin. Alors, on change de côté. On encourage nos pionniers! Alors, confusion d'une part et d'autre, là, mais on va être en mesure de reprendre le tout. Alors, Jonquière qui semble avoir obtenu le premier essai, par contre, mouchoir sur le terrain. Defense! 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 La pénalité est du côté des Gaillards, donc on recule et on recommence le premier essai. Robat de Lefebvre, le front défensif des pionniers le rattrape. À nouveau mouchoir sur le terrain par contre. Et on recule à nouveau. Nouvelle pénalité du côté de Jonquière. On recommence à nouveau le premier essai. Beaucoup plus profondément en territoire de Rimouski. On a rejoint Bédarid pour une passe complétée du côté de Jonquière. Par le numéro 11, Liam Bédarid, le receveur. On a remis au porteur de ballon, mais les pionniers se sont intervenus rapidement. On arrête la menace par la course et sera maintenant troisième essai pour Jonquière. Belle couverture de la part de la défensive de nos pionniers! Défense! Défense! Défense!
Une autre infraction du côté de Jonquière, ce sera donc troisième essai et long. Alors, séquence qui a été assez chaotique là, jusqu'à maintenant. On a tenté la longue passe, malheureusement, c'est incomplet. Donc, ce sera quatrième essai pour les Gaillards. Très bien pensé, mais trop loin. Merci également à d'autres partenaires qui rendent possible cette saison. FPS, groupe, location Bas-Saint-Laurent, la Sopère, la cage, brasserie sportive, les immeubles, Vianney Wallace et fils, MNP, physiothérapie, mouvement plus, Gagnon Image, énergie 98.7, TR3 expert conseil, Hiro Concept, le journal le soir, Yoga Sam et la société Jeux d'évasion. Si on les a tous comptés, je pense qu'il y avait trois mouchoirs, là, mais... Donc, les pionniers vont se réinstaller à l'attaque au 51. On va tenter de créer quelque chose offensivement en plein milieu de terrain. Alors, nettement favorable aux pionniers qui gagnent du terrain là-dessus. Là. Donc, Jonquière va devoir... On va devoir reprendre le botté. Qui ont empêché ce botté. Bravo! La pression était forte sur le botteur de Jonquière et les pionniers vont se réinstaller à l'attaque au 40. Gabo qui suit ses blocs trouve le chemin et on s'en va chercher presque un premier essai pour Rimouski. Solide percé! Premier essai confirmé pour vos pionniers. Ça a été quand même toute une collision. Le numéro 1 qui... Mathis Lavoie qui se relève. C'est une pénalité en défensive du côté de Jonquière. Donc les pionniers transforment un gain négatif en gain positif. Un autre premier essai pour vos pionniers. Porteur de ballon du côté gauche du terrain. On va chercher quelques verges. Deuxième essai pour les pionniers.
Et tout près de la zone des buts. Très belle accélération, une petite hésitation à la fin, mais quand même, on s'approche. On a tenté la courte passe, malheureusement c'est incomplet. Troisième essai, pardonnez-moi. La batte, la cage et les pionniers, c'est la combinaison parfaite cette année parce qu'avec le billet de votre match, vous profitez d'un 2 pour 1 sur les produits La batte à la cage, brasserie sportive de Rimouski. Quoi de mieux pour les après-matchs de foot? Une promotion valide à la cage, brasserie sportive de Rimouski, le soir des matchs ainsi que le lendemain. On a tenté une passe, malheureusement la pression était forte en défensive. Quatrième essai. Temps d'arrêt demandé par Rimouski. C'est réussi. 3 points pour vos pionniers sur un botté de précision. Et on s'inscrit à la marque ce soir. Faites du bruit! 3-0, nos pionniers! L'exécution parfaite de Brian Morneau qui permet à Rimouski d'inscrire les 3 premiers points de la rencontre. Alors, il s'agissait du numéro 8, là, Olivier Lefebvre, qui a réussi quelques verges là-dessus. On réussit à mettre les mains sur le porteur de ballon et on freine sa progression à environ 5 verges. Il était attendu de pied ferme! Defense!
Infraction du côté des pionniers. Jonquière va être en mesure d'avancer le premier essai. Ont réussi à stopper la progression de Jonquière, qui vont tout de même réussir à aller chercher le premier essai là-dessus. Le numéro 11, Liam Benaride, qui a réussi à faire une petite percée. Cette rencontre est une présentation également de Boulevard Chevrolet, la ville de Rimouski, la fondation du cégep de Rimouski et le cégep. Nouvelle course, cette fois-ci c'est Desrosiers. On va chercher quelques verges. Deuxième essai pour Jonquière. À nouveau par la course du côté des Gaillards. On est stoppé au 45. Alors, Jocelyn, dans la section centrale, en train de distribuer les clap-clap là, pour vous manifester, bien évidemment. Lorsqu'on est à la défense, on fait du bruit! Infraction après la fin du jeu du côté de Jonquière. On va donc reculer. La longue passe complétée à Bédaride. Jonquière vont chercher un long premier essai et on s'installe à la porte des buts. Alors, solide lancé là, de pratiquement 40 verges. Lefebvre qui a conservé le ballon. On est allé chercher quelques verges. Deuxième essai à la porte des buts. Oh, travail réussi là, par la défense des pionniers! Remet à nouveau dans le champ arrière la défense des pionniers qui stoppe la progression presque à la ligne de 10. Troisième essai Jonquière à la ligne de 12. Passe incomplète, la pression de la défense des pionniers était très forte sur le receveur de passe. Quatrième essai, Jonquière. C'est gratis.
On demande à nouveau un temps d'arrêt du côté de Rimouski. Alors, est-ce qu'ils vont tenter le voter ou encore le tout pour le tout? On le saura dans les prochaines secondes. La course du numéro 24, Samuel Boudreau et les Gaillards de Jonquière inscrivent leur premier touché de la rencontre. Alors, on a décidé d'y aller avec le gros jeu 6-3 Jonquière. Pénalité du côté de Jonquière, on va donc reculer de quelques verges pour la transformation. La transformation est réussie, c'est maintenant 7-3 pour Jonquière. Alors, on fait du bruit avec nos clap-clap, avec les mains, mais aussi avec la bouche. Faites du bruit! Jonquière qui réussissent le botté court et vont donc reprendre possession du ballon. Et là, je ne sais pas si c'était... si ça donnait l'effet escompté, mais quand même, ils ont réussi malgré tout, même si le ballon a dévié. Ça sert à l'attaque du côté de Jonquière. Ah!
La passe complétée à William Fortin. On va chercher le premier jeu là-dessus. La passe complétée à Émile Marceau et Jonquière capitalise rapidement après le recouvrement du Botécourt et on inscrit un deuxième touché. Il a réussi à éviter son adversaire. On ajoute 6 points dans la banque. 13-3, Gaillard. À nouveau une pénalité. On va reculer avant de refaire la transformation. Alors, il manquait quelqu'un à l'appel. Il est présent maintenant. C'est réussi pour un point. C'est maintenant 14-3 Jonquière. Il reste 1 minute 03 ce premier quart. Bon retour de Rimouski là-dessus qui s'installe à l'attaque au 35. Excellent, le numéro 35. La pression était forte sur la voie et on perd plusieurs verges là-dessus du côté de Rimouski. Deuxième essai est long. Passe incomplète du côté gauche. Troisième essai pour les pionniers. On vous rappelle qu'à la mi-temps, tout à l'heure, l'animation musicale sera l'affaire du groupe Rock Rimouskois Electro Sorcier. À Arthur Sissac. On va chercher quelques verges du côté de Rimouski. Quatrième essai. Et c'est la fin du premier quart. Alors la marque est de 14-3. Jonquière. Place au deuxième quart maintenant. Une présentation de Locaflex. Votre centre de location d'équipement Rimouski pour vous accompagner dans vos petits et grands projets de construction. Stop the rock.
On rejoint rapidement le receveur du côté des unités spéciales de Rimouski. Oh oui, Reprennent le retour à peine quelques verges. Rimouski, veillez aux graines. On vous rappelle que la combinaison cette année, c'est l'affaire de Labatte, la cage et vos pionniers. Sur présentation de votre billet de match, vous profitez d'un 2 pour 1 sur les produits Labatte à la cage Brasserie sportive de Rimouski. Bien évidemment valide les soirs de match ainsi que le lendemain à la cage Brasserie sportive de Rimouski. On a tenté la passe du receveur de passe ici du côté de Jonquière. La passe est incomplète, heureusement pour nos pionniers. Passe rabattue ici, à côté de la défensive des pionniers. Et on freine à nouveau un jeu audacieux de Jonquière. On vous rappelle que Francis promène actuellement pour vous vendre ses moitié-moitié. On est rendu à 200$, alors vous avez encore quand même le temps. On vous rappelle, un billet, 3$, 3 pour 5 et 10 pour 10. Passe incomplète de Jonquière. Ce sera maintenant 4e essai. Belle prestation de la défensive sur cette séquence ici. On réussit à éviter quelques plaqués du côté du retourneur des pionniers ici. On reprend le ballon en ce début de deuxième quart. Alors maintenant, place à l'attaque! On rejoint le corps arrière et ce sera une... On reprend le deuxième essai du côté de Rimouski.
passe incomplète et ce sera maintenant troisième essai. La rencontre de ce soir est une présentation d'alimentation Coop Rimouski GA Extra, Armoire Distinction Miralis Budweiser Tanguay, TELUS, la financière Banque Nationale Desjardins, Copsco du Cégep, Voisin Shell, Carrossier Procolor FPS et Groupe Location Bas-Saint-Laurent. Sac du corps du côté de Jonquière, ce sera donc quatrième essai pour les pionniers. Échappe la remise du côté du botteur des pionniers. Ce sera donc un toucher de sûreté. Et on concède, avec ce toucher de sûreté, 2 points à l'adversaire, ce qui amène la marque à 16-3. Également parmi nos partenaires de la première heure qui se joignent à nous, la Soper, la Cage Brasserie Sportive, les immeubles Vialet Wallet et Fils MNP, Fibre Vialet Wallet et Fils MNP, Physiothérapie Mouvement Plus, Énergie 98.7 TR3E, Pyro Concept qui vous ont présenté le spectacle en début de soirée, le journal Le Soir, Yoga Sam et la Société Jeux des Asions. Mouchoir sur le jeu. On a retenu du côté de Jonquière. On recule à nouveau et on reprendra le premier essai. Passe complétée à Bédarid et on remonte jusqu'au 35 du côté de Jonquière. Passe rabattue des pionniers. La pression était forte sur le corps arrière et on a réussi à mettre les mains sur le ballon. Troisième essai. Passe complétée à William Fortin, Jonquière. Vont chercher le premier essai. Alors, ça répète dangereux, mais heureusement, nos joueurs étaient sur place. Thank you.
Excellente pression sur le corps arrière. Et on réussit à rabattre le corps pour le sac. Complété par le numéro 43, Alexis Aymon. On remet dans le champ arrière et on freine la progression du porteur de ballon à la ligne de 50 verges. Defense! 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 Passe complétée à Bédarid qui sort sur les lignes de côté tout juste avant le premier essai. Ce sera donc quatrième essai pour les Gaillards de Jonquière. À freiner la progression ici de la part de Matteo Trey et on reprendra possession du ballon du côté des pionniers. Et malheureusement, ben heureusement, il s'est relevé, mais un joueur des pionniers là aura besoin des physiothérapeutes puisqu'il s'est fait mal lors du dernier jeu.